Bébé chouette. Texte de Martine Waddell. Illustration de Patrick Benson. Il était une fois trois bébés chouettes. Sarah, Rémi et Lou. Ils vivaient dans un trou de tronc d'arbre avec leur maman chouette. Dans le trou, il y avait des brindilles et des feuilles et des plumes de chouette. C'était leur maison. Une nuit, ils se réveillèrent et leur maman chouette était partie. « Où est maman ?» demanda Sarah. « Oh mon Dieu !» dit Rémi. « Je veux ma maman !» dit Lou. Les bébés chouettes se mirent à réfléchir. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. « Je crois qu'elle est partie chasser, » dit Sarah. « Pour nous rapporter à manger ?» dit Rémi. « Je veux ma maman !» dit Lou. Mais leur maman chouette ne rentra pas. Les bébés chouettes sortirent de leur maison, s'assirent sur l'arbre et ils attendirent. Une grande branche pour Sarah, une petite branche pour Rémi et une vieille tige de lierre pour Lou. « Elle va rentrer !» dit Sarah. « Rentrez bientôt !» dit Rémi. « Je veux ma maman !» dit Lou. Il faisait noir dans le bois et il leur fallut du courage parce que ça grouillait tout autour d'eux. « Elle va nous rapporter des souris et d'autres bonnes choses, » dit Sarah. « Je suppose, » dit Rémi. « Je veux ma maman !» dit Lou. Assis, ils se remirent à réfléchir. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. « Je pense que nous devrions tous nous mettre sur ma branche !» dit Sarah. Et c'est ce qu'ils firent, tous les trois ensemble. « Imagine qu'elles se soient perdues !» dit Sarah. « Ou qu'un renard l'ait mangée !» dit Rémi. « Je veux ma maman !» dit Lou. Et les bébés chouettes fermèrent leurs yeux de chouette et formèrent le vœu que leur maman chouette rentra bientôt. Et elle rentra. Douce et silencieuse, elle descendit à travers les arbres jusqu'à Sarah, Rémi et Lou. « Maman !» s'écrièrent-ils. Et ils battirent des ailes, et ils dansèrent, et ils sautillèrent sur leurs branches. « Que d'histoire !» dit leur maman chouette. « Vous saviez bien que j'allais rentrer !» Les bébés chouettes réfléchirent encore. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. « Je le savais !» dit Sarah. « Je le savais aussi !» dit Rémi. « J'aime ma maman !» dit Lou. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec vos proches pour aider la chaîne à se développer. Aussi, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche afin d'être informé de toutes les prochaines histoires qui arriveront sur la chaîne. Pour soutenir les auteurs du livre, vous trouverez un lien dans la description qui vous permettra de l'acheter. Merci à vous tous et à bientôt pour une nouvelle histoire.